Et salut à tous, c'est Corentin le cycliste. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la 10e étape de notre tour sur la Pierre Saint-Martin. On va remettre, on est un peu après, on va pas faire un pied pour gagner le maximum de temps pour peut-être faire d'autres vidéos l'après-midi. J'essaie de faire une machine à vidéo. Parce que déjà que c'est une longue côte, alors voilà quoi. C'est ça qui va y être un peu long. C'est pour ça que je vais pas la faire entière. Je vais que faire l'école. Voilà, on va remettre. Là, c'est pour ça. Au sprint, on n'avait pas de points à prendre, alors je l'ai pas fait. Ils étaient 25 échappés. Ça volait pas le. Ça valait pas. Ça volait rien. Parce qu'ils allaient prendre tous les points de toute façon. Et voilà quoi. Il n'y avait rien à voir. Contador. On va remettre en avance rapide. Je vais en combien? Les 20 à 20 km. On va pouvoir remettre. On va remonter. Une minute d'avance pour Chiraguing et Cumming sur le groupe maillot jaune. Ils sont déjà à 15 ou 12 minutes du maillot jaune, c'est quand même. Bon, l'échappée, elle va se faire attraper. Je vois les deux un peu, alors que mon équipe roule. Je vais leur. Non, plutôt non, je les laisse. Oups. Ils font du n'importe quoi, de toute façon. Mais j'espère qu'ils vont bien se crever. Parce que c'est bien fait pour eux. S'ils roulent, ils roulent. C'est leur faute. Oh, je suis pas. Je vous préviens. Moi, je suis avec un leader. Je suis pas leur petite connerie là. Je ne roule pas. Regarde, il y a toute mon équipe qui va absolument y être dans les premiers. Sauf que moi, ils me lâchent. Ils sont même pas intelligents. Il faut que je me mette pour le début. Voilà. Là, c'est le début du col. Et ça commence. C'est bon, les deux sont rattrapés. Ça attaque avec Cumming. Il n'y arrivera pas. Coéquipier roule. Ça, c'est bien parce que ça peut lâcher. Mais moi, je voulais qu'il roule dans le col. Pas maintenant. Là, ça pourrait endommager des. Vincenzo Nibali et Thibaut Pinot qui sont quand même bien en général. Alors ça pourrait bien m'avantager, à Froome aussi peut-être. Mais avant, il roulait sur le plat. Alors ça servait à rien. À rien. Ce petit plateau, non. Moi, pas grand. Ça sert à rien de se mettre grand plateau. Ça roule fort là, très fort. Ou 132. On n'est pas comme ça normalement le peloton. Hein. Il roule très fort là, mes coéquipiers. Avec Maïka. C'est qu'en guerre maintenant, il n'y arrive pas. Maintenant, ils sont cuits. C'est pas grave s'ils sont cuits. Hein. 48 dans le peloton. Ils ont fait tout pour lâcher. Ils ont réussi. Hein. Ils m'ont avantagé, moi. Parce que là, comme ça, Nibali ne sera pas beaucoup en forme. Et Thibaut Pinot aussi. Ça va m'avantager. Derrière, ah, c'est une échappée de 32 maintenant. Et 31 maintenant. Il roule encore. Hein. Il roule de plus en plus. Pour essayer de nous faire lâcher. Non, pas moi, mais. Oh! Attaque! Non, c'est bon. J'ai vu Nibali qui commençait à relancer. J'ai cru qu'il attaquait. Voilà. Il faudrait que ça recommence jusqu'à qu'il y ait une attaque. L'ancien vainqueur du tour, Alberto Contador, est l'un des tout meilleurs grimpeurs.
Kotowski, ici maillot jaune. Je vois pas tout de suite attaquer, moi. Peut-être Nibali qui va lancer une attaque. Si je lance pas d'attaque, rien va se passer. Je reprends toute mon énergie. Et ça attaque. C'est qui là qui attaque? C'est Franck Moreno. Ils sont pas des favoris. Rappel. Allez, moi je vais en profiter pour en lancer une attaque avec Alberto Contador. Première attaque, pas très grande. Pour faire mal un peu déjà. Parce que je savais qu'ils ont été fatigués. C'était un grand plateau pour mes coéquipiers. Je le savais, c'est la stratégie ça. Alors j'ai voulu faire une attaque. Et Nibali qui suit derrière. Et j'ai pas beaucoup d'écart quand même face à Vincenzo Nibali. L'écart s'accentue là. Peut-être prendre beaucoup de temps sur Vincenzo Nibali sur cette étape. Il est repris, derrière ils vont rouler. Voilà, à cause de l'attaque, tout lâche, ça lâche de tous les sens. Nibali, maillot jaune virtuel, ils m'ont rattrapé. Continue avec un rythme. Allez, je lance une attaque. Enfin, Nibali qui attaque, je suis. Je vais même lancer une plus grosse attaque que lui. Voilà, on a creusé les corps avec Contador et Vincenzo Nibali. Ils sont à 14 secondes avec... Oh, je lâche! Nibali qui me lâche. Et derrière, c'est Nibali après Pino, Quintana, Froome, qui est un peu plus derrière, avec Bardet et Perrault, les deux qui sont coéquipiers, qui cèdent pour revenir sur Christopher Froome, alors que moi... Contador, qui creuse l'écart face à Vincenzo Nibali. Faut pas qu'il revienne derrière Vincenzo Nibali, faut que je lui prenne beaucoup d'écart pour peut-être vite reprendre du temps, peut-être avoir le maillot jaune. Sur un petit plateau, je vous répète. Je suis grand plateau là, Nibali, peut-être pour le faire lâcher. Derrière Quintana et Pino, ça va, ils reviennent pas beaucoup. Je suis grand. Nibali va craquer là. Il a plus beaucoup d'énergie, je sens. Je vais commencer à rouler à 1,5 km pour peut-être essayer de faire le trou face à Vincenzo Nibali. Froome qui essaye de revenir sur Pino Quintana mais qui n'y arrive pas. Perrault Bardet qui n'y arrive pas à revenir sur Christopher Froome. On creuse. Voilà, il y a eu un petit problème. On est avec Contador à quelques mètres de l'arrivée. On va reprendre beaucoup de temps sur Vincenzo Nibali. On a réussi à garder beaucoup d'énergie dans la deuxième zone de ce col. Et victoire, troisième victoire d'étape sur ce tour. Et c'est la troisième d'Alberto Contador. Il peut savourer. Victoire. Et oui, voilà, victoire devant Vincenzo Nibali. Quelle victoire, c'était énorme. On a repris beaucoup de temps. Et le peloton arrive, enfin un gros groupe en tout cas, arrive pas très très loin. Genre on a 200 mètres. Voilà. Il n'y avait pas beaucoup d'écart, hein, j'ai trouvé.
pour les derniers, parce qu'ils sont vite arrivés. Voilà, victoire d'étape, maillot à pois. C'est très bien. Et on va voir combien de temps on a repris face à Vincenzo Nibali. Peut-être qu'on a repris la place à Thibaut Pinot, je ne sais pas encore. Je ferai peut-être deux vidéos cet après-midi. Voilà, victoire d'étape, 40 secondes derrière, 45 pour Pinot. Voilà, classement général, je suis deuxième au général, Kwiatkowski troisième, je suis à 2 minutes 18 de Vincenzo Nibali, quatrième Pinot, cinquième Froome, sixième Quintana, septième Valverde, Vauclair, c'est quoi ce? C'est le monde à l'envers là, Vauclair, bon, j'arrive plus trop à dire, et huitième au général, non mais c'est pas possible. 9e, Perrault, Bardet, Cancela, 10e, et voilà. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. À cet après-midi pour peut-être faire deux vidéos. Salut!